Gaz, et la Commission électorale nationale indépendante est très honorée par votre présence dans ce cadre des Safari Beach pour participer aux états de lieu de la justice électorale. Vous avez sacrifié tant d'autres importantes occupations pour répondre à l'invitation de la CENI. Nous vous en remercions très sincèrement. De par la Constitution et les textes légaux en matière électorale, la CENI a la lourde mission de gérer les processus électoraux dans notre pays. La justice, pour sa part, celle de dire les droits, particulièrement pour ce qui nous intéresse à ces jours, de connaître des contentieux électoraux. Le présent état des lieux sur la justice électorale s'inscrivent dans les bonnes pratiques d'assurer un dialogue structuré et une bonne coopération entre l'organe de gestion des élections et les cours et tribunaux. Il est extrêmement important que la CENI et les pouvoirs judiciaires se montrent accessibles et coopératifs dans leurs rapports, appliquent une bonne politique générale d'ouverture l'une envers l'autre en organisant régulièrement des réunions d'information, d'échange sur leurs activités. La formation et l'information sur les principes et les procédures en matière électorale seront toujours nécessaires pour toutes les parties prenantes. La noble mission de dire les droits électoraux est en aval de celle non moins noble et non moins ardue de gérer le processus électoral dans sa réalité quotidienne sur terrain. Les deux institutions, la justice et la CENI, se trouvent désormais embarquées dans un même bateau électoral avec le devoir de le mener à bon port. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, la CENI vous souhaite la bienvenue et fructueux échange sur les états des lieux de la justice électorale en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais avant toute chose vous remercier de votre présence en cet atelier sur l'état des lieux de la justice électorale en République démocratique du Congo, notre cher pays, tant il est vrai que le dit atelier traduit la volonté réciproque de la magistrature et de la Commission électorale nationale indépendante de consolider la collaboration entre elles. Mes remerciements sont d'autant plus appuyés que vous avez fait montre d'une patience à toute épreuve durant ces deux journées consécutives de report. Au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je tiens à vous présenter mes excuses pour ces retards indépendants de notre bonne volonté. L'atelier qui commence ces jours est appelé à parfaire les balisages du processus en cours du point de vue de la justice électorale.
Le processus électoral est comme une symphonie musicale dont la réussite suppose que chacun ou que chaque voix et chaque instrument joue fidèlement sa partition. En l'espèce, le Parlement est appelé à réviser la loi électorale et celle qui suivra portant répartition des sièges par circonscription électorale. Le gouvernement a pour rôle, entre autres, de garantir le financement du processus électoral, de garantir la sécurisation de ces processus et les cours et tribunaux à assurer la justice électorale par un traitement équitable du contentieux électoral. Ainsi, une défaillance du point de vue de la justice électorale, comme de n'importe quel autre aspect du processus, entacherait l'ensemble du processus électoral et y jetterait un discrédit. Voilà pourquoi nous devons ensemble œuvrer pour que ces volets importants du processus, qu'est la justice électorale, puissent être au diapason des objectifs assignés au cycle électoral, dont il est attendu des élections transparentes, justes, démocratiques et surtout apaisées. La particularité de l'interaction entre la CENI et le pouvoir judiciaire réside dans l'exigence commune qui leur incombe à tous deux d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Elle met en outre en relief le rôle prépondérant du pouvoir judiciaire en tant qu'institution garante des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Le contentieux électoral fait du juge le gardien de la régularité finale du scrutin et lui confère la mission de la proclamation des résultats définitifs, l'instituant en dernier ressort comme dernier rempart de défense de la conformité du choix opéré par le souverain primaire. C'est ainsi que le contentieux des élections présidentielles et législatives nationales est déféré à la compétence de la Cour constitutionnelle. Celui des élections législatives provinciales et des gouverneurs des provinces aux cours administratives d'appel et celui des élections urbaines, municipales et locales aux tribunaux administratifs. C'est pourquoi je voudrais à ce jour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les cours et tribunaux dans leur ensemble pour la gestion des contentieux électoraux issus des élections de 2006 et de ceux de 2011 en général, et les cours d'appel en particulier pour le traitement du contentieux des élections ou des dernières élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces en avril 2016. Le droit positif congolais dénombre trois principaux types de contentieux électoraux. Le contentieux des listes, le contentieux des candidatures et le contentieux des résultats. Je voudrais relever à ce niveau la méconnaissance de la loi constatée dans les chefs des populations qui, par exemple, à ce jour, à longueur des journées, s'alarment des probables cas d'enrôlement des personnes réputées étrangères, alors qu'elles ont le devoir légal de dénoncer ces dernières dès lors que les listes électorales se trouvent affichées devant les centres d'inscription au titre des listes albums. À l'approche des élections générales qui se profilent à l'horizon, nous avons tous besoin d'un réarmement scientifique dans le cadre des échanges qui nous permettent d'harmoniser le vu sur les questions divergences qui sont apparues lors des
scrutin antérieur afin de minimiser, voire dans la mesure du possible, éliminer les contradictions dans la gestion du contentieux. Par ailleurs, le présent forum devra aussi être un cadre propice pour formuler des propositions devant enrichir les débats autour de la modification de la loi électorale qui est un préalable légal à la tenue des scrutins, dans la mesure où la répartition des sièges sur base de nombre d'habitants tel qu'elle le prévoit ne peut être possible du moment que le recensement n'a pas eu lieu, d'une part, et que certains aspects de la dite loi, notamment les délais, méritent d'être reconsidérés au vu de ce que la pratique a révélé. En outre, il y a lieu de se pencher sur tous les autres aspects de la bonne administration de la justice, entre autres les infrastructures de juridiction et offices appelés à participer au traitement du contentieux, la condition du personnel judiciaire en rapport avec leur prise en charge et leur formation, ainsi que leur affectation effective dans leur lieu de travail. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le Ministre d'État et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, distingués invités, l'expérience des élections antérieures dans notre pays appelle un diagnostic de la justice électorale pour en assurer une bonne administration au cours du processus électoral actuel et des processus à venir. En effet, certaines questions importantes auxquelles la CENI et le pouvoir judiciaire sont confrontés méritent d'être examinées. 1. L'accès à la justice électorale et l'opérationnalisation des justices, des juridictions chargé du contentieux électoral, la proximité des juges électoraux dans le contexte de la nouvelle reconfiguration administrative de notre pays, l'égalité de toutes les parties devant la loi et l'indépendance des juges. 2. La problématique de la qualité et de la représentation de la CENI au cours d'un contentieux électoral. La CENI est-elle partie au procès? Et quand elle intervient, est-elle obligée à recourir au ministère d'un avocat-conseil? 3. La compétence de la CENI à délibérer sur les irrégularités et autres violations des dispositions légales et réglementaires régissant des élections et ou un référendum commises par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins. À titre d'illustration, en 2011, usant de son pouvoir de délibération lui conféré par la loi, la CENI s'était abstenue de publier les résultats dans les circonscriptions électorales de Demba, Kiri, Massissi, Ikela, Lomela et Kolé, après les constats des graves irrégularités ayant émaillé la compilation des résultats. Cependant, la juridiction du contentieux avait ordonné à la CENI de publier les 10 résultats. 4. À la suite du contentieux des candidatures ici des élections des élections programmées des députés provinciaux en 2015. La problématique des décisions de justice enjoignant à la CENI d'aligner un même candidat dans plus d'une circonscription pour le même scrutin, en violation des articles 12 alinéa 2, 15 alinéa 1er et 21 de la loi électorale. Comment la CENI va-t-elle procéder pour exécuter ses décisions ?
surtout qu'en cette matière, les juges ne sont susceptibles d'aucun, les jugements ne sont susceptibles d'aucun recours. 5. Comment régler le contentieux des candidatures pour les Congolais détenteurs d'une double nationalité? 6. La recomposition de la scène politique caractérisée par la transhumance de certains acteurs et partis politiques, candidats aux élections provinciales de 2015, pourra donner sujet à un nouveau type de contentieux. Comment le pouvoir judiciaire va-t-il gérer ces contentieux lors de la mise à jour de la base de données des candidatures enregistrées? Dans ces cas, comment la CENI et le pouvoir judiciaire devront-ils régler la question du cautionnement électoral? 7. Le recomptage des voix et ou la reconstitution des voix ordonnées par une juridiction, avec comme conséquence que le nombre de voix reconstituées dépasse celui des votants réels. Ce sont des cas que nous avons vécus. Peut-il être fait sans la présence de la CENI et des autres parties intéressées? 8. Le contentieux électoral est-il un contentieux de la légalité ou de la sincérité? En matière électorale, la violation de la loi a-t-elle nécessairement pour conséquence l'annulation du scrutin concerné? Toutes ces questions, chers participants, devront faire l'objet de notre réflexion afin d'obtenir des recommandations claires et utiles à une prise en charge adéquate du contentieux nécessaire à l'édification de notre justice, de notre jeune démocratie. Un élément palpable, si nous devons le faire à ce jour, c'est entre autres parce que la CENI s'attend, ou les projections faites par la CENI à ce jour indiquent que pour l'élection présidentielle, un minimum de 20 candidats sont attendus. Pour l'élection des députés nationaux, c'est plus ou moins 28 000 candidats qui vont compétir pour 500 sièges. Ceci indique que c'est une moyenne de 60 candidats qui vont compétir pour un seul siège. Vous comprenez comment la compétition sera âpre et sans merci, et donc un contentieux potentiel très pointu. La députation provinciale, nous nous attendons à 35 000 candidats compétissant pour 711 sièges. Vous pouvez calculer la moyenne. Ça nous indique que le contentieux risque d'être important. Les délais prescrits par la loi sont-ils suffisants? C'est le moment d'en débattre, c'est le moment de fournir certains éléments qui pourront faire l'objet de modifications si nécessaires au cours du débat en cours au Parlement de la République. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'ouverture du présent atelier consacré à la justice électorale. L'année 2017 peut être appelée année électorale, année au cours de laquelle sont prévues les élections au suffrage universel à tous les niveaux du cycle électoral, ainsi que les élections sénatoriales. Il s'ensuit que la tenue de l'atelier tombe bien à propos. Hormis la répression des infractions édictées par la loi électorale, la justice électorale consiste principalement en contentieux électoral. Et ce dernier
abstraction faite de la validation des pouvoirs des élus par les assemblées dont ils relèvent est dévolue aux cours et tribunaux composés de magistrats. Je salue ainsi la présence de ces derniers dans l'atelier. Les enseignements de l'atelier les intéressent particulièrement. Au-delà des cours et tribunaux, la notion de justice électorale intéresse bien évidemment d'autres acteurs du processus électoral, et notamment les partis politiques, la société civile et les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, dont je salue également la participation de leurs représentants à cet atelier. Il est en effet primordial qu'au terme de ces 3 jours d'échange entre les participants, soient adoptées des recommandations concernant l'indépendance du juge électoral, l'accessibilité et la proximité pour les justiciables, ainsi que la collaboration entre la CENI d'une part et les cours et tribunaux d'autre part. L'implication active de l'ensemble des délégués à cet atelier contribuera, au travers de la mise en application des résultats qui en seront issus, à une perception améliorée de la justice électorale par les justiciables, ainsi qu'à une distribution de la justice reconnue équitable par tous les observateurs objectif. Mesdames et messieurs, mon propos sera développé autour de 4 concepts, à savoir le contentieux électoral, les acteurs du contentieux électoral, le juge du contentieux électoral et enfin la sanction du contentieux électoral. S'agissant du contentieux électoral, contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, le contentieux électoral en République démocratique du Congo ne peut se définir comme le seul contentieux issu de l'élection. Il vise les litiges issus aussi bien des déclarations de candidature que ceux issus des élections proprement dites. C'est ainsi que la loi distingue, dans le vocable contentieux électoral, le contentieux des candidatures du contentieux des élections. En ce qui concerne le contentieux des candidatures, il importe de retenir que la loi électorale prévoit les conditions notamment d'éligibilité, d'inéligibilité, de recevabilité ainsi que d'irrécevabilité des candidatures. Il en est de même de la forme de présentation des candidatures. Le non-respect des prescriptions légales donne ouverture au contentieux des candidatures. Le contentieux des élections provient de la violation des conditions légales sur la validité de la candidature et de celle édictée pour la sincérité du vote. S'agissant des acteurs du contentieux électoral, la loi détermine les personnes appelées à exercer un recours en matière de contentieux électoral. Le contentieux des candidatures est ouvert aux candidats indépendants ou à son mandataire, aux candidats dont l'éligibilité est contestée, aux partis, aux regroupements politiques ou à leurs mandataires. Et pour être recevable, le candidat indépendant
doit s'être au préalable présenté dans la circonscription électorale concernée. Le recours du parti politique ou du regroupement politique ne peut être reçu que s'il a présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale visée. Le parti ou le regroupement politique doit être légalement constitué et agir par ses organes statutaires attitrés. Les différentes causes d'irrécevabilité étant d'ordre public, elles devraient être soulevées d'office par le juge saisi. Le délai de recours est de 48 heures, suivant la publication par la CENI des listes provisoires. S'agissant du juge du contentieux électoral, le président de la CENI l'a dit avant moi, le contentieux est porté devant la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel, le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix, selon qu'il s'agit des candidatures respectivement aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales, aux élections des membres des assemblées provinciales, des villes, des communes, des secteurs ou de chefferies. À vrai dire, hormis la Cour constitutionnelle, les juridictions citées ci-dessus exercent les prérogatives dévolues aux juridictions de l'ordre administratif en attendant l'installation de cette dernière. La juridiction saisie statue dans les 7 jours de la saisine. Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits. Le contentieux des élections est exercé par les mêmes acteurs cités ci-avant, dans les mêmes conditions et devant les mêmes juridictions. Le délai de recours est de 3 jours dès l'annonce des résultats provisoires. Pour l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle statue dans les 7 jours de sa saisine, pendant que les autres juridictions disposent des 2 mois à dater de la saisine pour rendre leur décision. Il est à relever que, contrairement au contentieux des candidatures, les délais butoirs de l'examen du contentieux des élections ne sont assortis d'aucune sanction en cas d'inobservation. En ce qui concerne les mandataires, il convient de noter qu'un mandataire commis pour déposer une candidature ne peut agir en contentieux de candidature sans avoir reçu un mandat ad hoc. De même, le mandat de former un recours dans le contentieux de candidature n'emporte pas celui d'entreprendre l'élection qui s'ensuit. Afin d'assurer la célérité du traitement du contentieux électoral, la loi prescrit le renforcement en personnel des juridictions appelées à connaître de ce contentieux. Le moment est ainsi venu pour le Conseil supérieur de la magistrature de faire l'évaluation de cette exigence légale. S'agissant de la sanction du contentieux électoral, le succès du contentieux des candidatures entraîne l'élimination du ou des candidats contestés de la liste ou des listes litigieuses. S'agissant du contentieux de l'élection,
Son succès peut consister en rectification des erreurs matérielles par la juridiction saisie. Il peut aussi consister en manque de sincérité de l'élection qui peut entraîner l'annulation partielle ou totale du vote. Le vote est annulé si les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Parlant de la sincérité du vote, il convient de se rappeler que la loi punit les comportements susceptibles de troubler les opérations de vote ou de dépouillement, le vote forcé ou frauduleux, la corruption d'électeurs, l'injection des faux bulletins de vote, la suppression des procès-verbaux de dépouillement, etc. La présence du juge dans les lieux de perpétration des faits permettra de réprimer ces infractions par la procédure de flagrance. La flagrance qui se définit comme étant des infractions qui se commettent actuellement ou viennent de se commettre, ou encore des infractions dont les auteurs sont poursuivis par la clameur publique et souvent porteurs du corps du délit dans un temps voisin de la commission de l'infraction. Faute de la présence du juge pénal, le juge du contentieux de l'élection se fondera utilement sur les faits tels que décrits pour apprécier la sincérité du vote. En conclusion, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les participants, tels sont les propos que j'ai décidé de tenir à l'ouverture de cet important atelier sur la justice électorale. Je lui souhaite plein succès et je reste convaincu que les participants tireront un maximum de profit des enseignements qu'ils recevront des différents intervenants pour le triomphe de la démocratie en République démocratique du Congo, et je vous remercie de votre attention. Après les deux brillantes interventions que nous venons de suivre, qui ont pratiquement vidé de la substance le discours que j'ai préparé, je crois qu'il ne me reste plus qu'à remercier très sincèrement Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que tous les membres de son bureau pour les initiatives qu'ils ont prises de convier les hauts magistrats de la République à cette réflexion. Comme vous le savez, dans le processus électoral, la justice a une grande partition à jouer. Je me demande si elle n'est pas la plus importante. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu des événements lorsque on a dû examiner le contentieux de l'élection présidentielle au deuxième tour. Il s'est trouvé dans ce pays des personnes qui ne voulaient pas que les résultats définitifs soient proclamés par la Cour suprême de justice, faisant fonction de la Cour constitutionnelle. Et le jour où nous avons commencé l'examen de ce contentieux, la Cour suprême s'est trouvée incendiée par des personnes non identifiées. Je vois devant moi ici le président Kalonda, qui était président de la Chambre qui examinait le litige. On est sorti de là comme des rats en débandade, hein. Et même la MONUSCO ou la MONUC, qui à l'époque
était chargé de sécuriser justement le processus. Bon, je crois que Feu Abbé Maluma perd son âme et ses collègues hein, qui sont allés dans des autos blindés pour aller proclamer les résultats. Mais nous n'avons pas eu cette chance et nous sommes sortis de la salle d'audience en débandade. Et si nous avons quand même réussi à tenir les audiences, c'était grâce à la collaboration avec la CNI. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je suis très sensible à cette initiative, puisque si la Cour suprême à l'époque n'avait pas de bonnes relations avec la CNI, je me demande comment nous allions pu nous en sortir, puisque d'une part, nous ne pouvions pas recourir au gouvernement en place. On dirait que nous étions pro-gouvernement. Et qu'est-ce qui nous restait pour pouvoir vivre? La Cour elle-même n'avait pas de budget suffisant pour se soutenir. Et c'est l'abbé Marumaru qui a tout fait pour nous accueillir à l'hôtel intercontinental, où la chambre a été hébergée pendant plus d'un mois. Et c'est ainsi que nous avons pu quand même, malgré tout, poursuivre l'examen de ce dossier et aboutir à proclamer les résultats définitifs des audiences se tenant au ministère des Affaires étrangères sous escorte. Donc, la collaboration entre la CNI et le pouvoir judiciaire en matière électorale me paraît d'une importance capitale. À ce sujet, d'ailleurs, Monsieur le Président, je voudrais que nous soyons, nous, c'est-à-dire la justice, nous soyons un peu plus présents dans vos préoccupations. Je pense ici, par exemple, aux missions qui peuvent être organisées à l'intérieur, en amont, pour quand même visiter le pays, voir où est-ce que, par exemple, les tribunaux de paix peuvent être rapidement installés, les tribunaux de grande instance dans certains nouveaux districts, les cours d'appel dans les nouvelles provinces. Eh bien, je pense que si dans le volet élection, plutôt si dans le volet justice électorale, la CNI peut d'une certaine manière intervenir à ce sujet sans que nous attendions nécessairement l'intervention du gouvernement qui souvent, je n'accuse pas mon voisin de droite, souvent pose problème. Et je crois que cette collaboration peut permettre au pouvoir judiciaire et à la justice électorale de résoudre certains de ces problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, ceci dit, il ne me reste plus qu'à dire que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de réflexion sur la justice électorale et je vous remercie.